Le député de Sherbrooke, Serge Cardin, a prêté main-forte lundi à la soupe populaire La Chaudronnée. Et pas seulement en servant des bols de soupe, il a remis à l'organisme une contribution de 25 000 $ afin de permettre à celui-ci de combler son déficit. L'argent provient des fonds discrétionnaires des ministères qu'a sollicité M. Cardin. Pour le gouvernement, les organismes communautaires sont une nécessité absolue. Ils rendent des services comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est souvent des petites organisations. Donc, c'est avec plaisir qu'on a contribué à vos finances pour l'année en cours. Et puis, j'ose espérer que La Chaudronnée va demeurer encore longtemps. On l'apprécie énormément. Ça donne un très gros coup de main. C'est sûr que M. Cardin a toujours été quand même proche de La Chaudronnée. Ce 25 000 $ permet à La Chaudronnée de colmater une brèche dans son budget. Mais ce n'est cependant qu'une solution temporaire. Les finances de l'organisme demeurent plutôt précaires. Le financement est assez un vrai château de cartes. Il y a environ seulement 20 % qui est récurrent. Tout a doublé en 10 ans. Si on regarde les 10 dernières années, il y a 10 ans, c'était 27 000 repas. Là, on est rendu à 43 000. On s'enligne probablement pour un 49 000 juste la semaine. Donc, 60 000, incluant les fins de semaine. Donc, c'est une hausse constante des demandes. Nous, on ne veut pas revirer personne le ventre vide. Donc, il faut arriver à répondre malgré tout avec notre équipe. Puis, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a ouvert les fins de semaine. Le gouvernement marois a justement annoncé la semaine dernière qu'il injectera 318 millions de $ d'ici 3 ans pour venir en aide aux plus démunis, aux organismes communautaires. La Chaudronnée de l'Estrie espère évidemment profiter de ces fonds. On attend de voir avec les annonces de Mme Maltais là, au niveau de la solidarité sociale, est-ce que les augmentations prévues, le 54 millions qu'elle veut injecter dans le communautaire, va aider à combler. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, donc on va voir pour l'an prochain qu'est-ce qu'il y en est. Mais on sait que là, on s'enligne encore malheureusement sur un déficit. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.